Hey, salut les amis, comment ça va? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Dans le dernier épisode, on a franchi la mer des tempêtes, la mer des âmes perdues, qui est plus qu'autre chose et un labyrinthe. Mais bref, et nous sommes arrivés ici, face au prochain et dernier donjon. La tombe ancienne. Et en tant que dernier donjon, c'est pas un mauvais donjon, dans le sens où c'est un bon dernier donjon. Il a la difficulté et la je sais pas quel qualificatif utiliser, mais c'est un bon dernier donjon. Et comme les fantômes et la pièce absolument noire présente ici peuvent en témoigner, c'est un donjon qui est plutôt à terme donjon hanté. Et dès qu'on commence, ben on se retrouve dans une salle avec apparemment aucune issue. Mais peut-être que cette statue de hibou ici pour nous ouvrir un chemin. Ouvre tes oreilles au bruit de l'épée qui cogne les murs. Bien, certes, pourquoi pas. Mais perdez pas votre temps. Si vous essayez de taper sur les murs partout dans cet endroit, vous trouverez aucun mur cassable. Où se trouve le chemin alors? Ici. Ouais, ils ont planqué un mur fissuré derrière une statue qui a bougé, qui avait pas l'air déplaçable. Regardez, toutes les autres statues de cet endroit, on peut pas les déplacer, mais celle-là, on peut. Bref. Ah, Floor Master, j'avais oublié qu'il y en avait ici. Et pourtant, je savais qu'ils étaient dans cette pièce, mais je l'ai complètement oublié. Bah. J'aurais que ça à dire. Bah. Surtout que vous pouvez croire que c'est pas le... Non, pas la bonne. Voilà. Vous pouvez être certain que ça va pas être les seuls Floor Master qu'on va croiser dans ce donjon. Bon, quoi qu'il en soit. Premièrement, on va arriver ici pour récupérer ce coffre qui contient une petite clé. Ensuite, on va se déplacer ici et créer un passage par là pour atteindre cette fameuse porte. Et croyez-moi bien que tant qu'on n'aura pas trouvé le portail de demi-donjon, de moitié de donjon, et qu'on devra revenir ici parce qu'on s'est fait choper par un Floor Master, à chaque fois ça va être très 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 lourd. Bref, ici on a 4 boutons à activer. Le premier, on l'active comme ça. Le deuxième, on l'active avec un bloc de Somaria. Je dis avec un bloc de Somaria. D'accord. Le dernier n'est pas un bouton, mais un bras zéro. Et en ayant activé tous les 4, ça nous ouvre le chemin vers la tombe en elle-même. Ouf, maintenant, nous y voilà. La tombe ancienne est à peu près aussi labyrinthique que le chemin qui nous y a mené. Notamment, va falloir jouer avec des tourniquets. Et vous savez tous à quel point j'adore les tourniquets. Quelle idée d'avoir inventé ce truc et de l'avoir ajouté au jeu, moi franchement, je vous jure. Quoi qu'il en soit, ici, en vainquant les fantômes et en poussant ce bloc, on fait apparaître un escalier qui nous mène à la carte du donjon. Et en jetant un petit coup d'œil, on peut voir qu'il y a beaucoup d'étages à ce donjon. Donc, ça vous laisse présager d'à quel point ça va être compliqué de naviguer ici. Mais pour l'instant, on peut voir qu'en plus des tourniquets, on va devoir jouer avec des plots. Ça aussi, c'est une bonne mécanique. Une mécanique fun, une mécanique saine pour le jeu. Et en montant ici, on peut récupérer une petite clé, mais c'est à peu près tout. Du coup, ça va être retour à l'entrée. Et à partir d'ici, on va pouvoir débloquer le chemin sur la droite. Et regardez, plus de tourniquets! Ouais! J'ai déjà mentionné que j'aimais pas les tourniquets. Bon, je n'aime pas beaucoup de choses, mais les tourniquets moins que les autres. Hein. Et toi, boum. Si je me trompe pas, il n'y a rien dans cette pièce. Si, ah oui, si. Par là, on peut activer un plot. Mais ce serait pas vraiment très intéressant de le faire maintenant, étant donné que ça bloque le chemin en bas. Ou bien, laisse.
Parce que en abaissant les plots, on peut atteindre ce coffre ici qui contient la boussole du donjon. Et c'est vraiment un truc salaud de la part de ce donjon, je trouve. Parce qu'on nous fait miroiter ce chemin en bas en nous disant « Oh, si les plots rouges sont levés, on pourra y accéder. » Oui, mais non, parce que si les plots rouges ils sont déjà baissés de base, donc c'est qu'il doit y avoir une entourloupe. Et oui, la voilà, la fameuse entourloupe. La voilà. Donc, je vais me débarrasser de vous, histoire d'être tranquille et récupérer un peu de vie. Et maintenant, suite du donjon. Suite du donjon. Il me semble pas qu'on puisse... Si, on peut s'agripper vers là-bas, what the fuck. Et pourtant, je me suis entraîné à faire ce donjon, parce que... Je me suis encore plus entraîné à le faire que le... Ouais, mais non, c'est pas bien si je passe par ici. J'ai besoin que le cristal soit dans une autre position. Et je viens de me mettre dans la mouise parce que je ne peux pas revenir en arrière. C'est magnifique! Enfin, ne paniquons pas, Daclu, ne paniquons pas. Tu vas avoir moyen de revenir ici, même si c'est pas vraiment ce que tu avais prévu de faire à la base. Hop, et c'est pas plus mal en fait, parce que... On va pouvoir activer ce bouton ici qui nous donne un petit peu un... Qui nous donne un petit peu la capacité de manipuler ce tourniquet à notre volonté. Là, en attendant ici, il y a un Stalfos qui contient une petite clé, ainsi que d'autres de ses collègues. Et ici, on ne peut rien faire non plus. Oh, t'es revenu à la vie. Bon bah, tant pis pour toi. Et cette fois, je vais essayer d'aller sur la droite, parce que je vois pas pourquoi je le ferais pas. Attendez-vous à ce que je me perde dans ce donjon, parce que franchement, c'est très très facile d'être désorienté ici. Je sais que j'ai dit ça pour le dernier donjon, et franchement, je suis le premier étonné de ne pas avoir été complètement perdu quand j'ai fait ce donjon, mais ce donjon-là va vraiment vous désorienter. En montant ici, je viens de gâcher une petite clé, étant donné qu'on ne peut rien faire dans cette pièce pour l'instant tant que les blocs sont levés. Du coup, je vais devoir revenir en bas jusqu'à ce que je trouve un moyen de revenir à un cristal. Et je ne suis pas du tout en train d'aller dans la bonne direction. Je ne sais même plus où je suis. Mon plan formidable que j'avais pour explorer ce donjon a été mis en ruine. Aïe. Mais non, mais en fait, ça sert absolument à rien que je vienne ici, étant donné que j'ai pas de clé pour passer ce truc. Donc en gros, là, je suis un peu dans la misère. Aïe, 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 même. Je vais devoir jouer un petit peu avec le... tourniquet ici. Genre... Comme ça, ça devrait être bon. Hop là. Et voilà. Maintenant, j'espère que je vais être capable de revenir jusqu'en bas, parce que sinon je suis un peu... Attends, c'est une très mauvaise position. Non, mais il ne s'est plus... J'aime pas ce donjon. En tout cas, j'aime pas cette section du donjon. Bon, c'est pas grave, Daclu, tu vas juste mettre beaucoup plus de... Mais sérieux, ça fait combien de temps que je suis en train de me perdre dans les tourniquets? Ça doit bien faire 10 minutes que l'épisode tourne, et ça doit en faire 5 que je suis en train de me perdre dans les tourniquets. Au moins, ce donjon va vraiment être capable de faire plus de 2 vidéos sans que ce soit juste moi qui coupe à un mauvais moment, enfin... Bon, bref. Bref. Par ici, on a un chemin qui est bloqué par une statue, et donc on ne peut pas le traverser. On a plusieurs Stalfos ici, et on a un passage qui nous est bloqué. Mais hey, on a aussi également... un mur fissuré et tellement de petites filles, je sais pas pourquoi ils donnent la peine de les donner, franchement, il n'y en a pas besoin. Ouf. Toi. Non, j'ai vu ce que tu essayais de me faire et tu ne me le feras pas. J'ai le pouvoir des bottes de Pégase. Les bottes de Pégase qui ne m'aideront pas vraiment dans cette situation-là. Là. Hop, c'est bon, merci, je sais ce que font les... Les petites clés, c'est pas la peine de me le dire comme si j'étais en maternelle. Bien. Et maintenant que ça c'est fait, on va frapper ce cristal, avoir une chute de FPS,
et cette fois pouvoir revenir par ici sans que ça nous pose problème. Enfin, sans que ça nous bloque, je veux dire. Donc, hop. Par ici. Et par là. Et enfin, un petit peu de progrès. Ouais. Là, je peux pas changer de place avec vous. C'est un petit peu logique, vous me direz, étant donné que vous n'avez pas de corps, mais bon. On ne peut pas. Voilà, maintenant qu'on est de retour au tourniquet. Le but, ça va être de revenir dans cette pièce où on avait vu le chemin bloqué par une statue tout à l'heure, parce que même si on n'a pas de quoi bouger cette statue, on peut quand même prendre le chemin maintenant qu'on a abaissé les plots bleus. Et ça, ça va nous permettre de faire le tour ici, et pas d'atteindre cet endroit ici, comme je l'avais cru, parce que... Il y a un petit problème, je crois. Ah, vous êtes insensible aux graines braises. Ah, ça c'est problématique. J'ai une chute d'FPS, ça c'est encore plus problématique. Mais, non, mais stop. Stop, mais... Stop, je dis. Voilà. Ah, oui, non, c'est vrai, il faut faire ça par ici. Là, par contre, tu vois, je serais pas contre une petite fée, et évidemment, à ce moment-là, on ne m'en donne pas. Bref. À cet endroit, on va devoir traverser cet endroit sur les plots relevés. Tout ça pour pouvoir atteindre ce chemin là-haut avec les blocs bleus baissés. Et ça va nous permettre de faire complètement le tour par le haut. Et ainsi atteindre... Moi, j'ai rien touché. Et ainsi atteindre cet escalier qui nous était inaccessible ici. Bien. Je crois pas avoir déjà montré ça, mais si vous brûlez l'équipe d'eau avec une graine braise, il se transforme en Stalfos. A vous de voir si vous préférez avoir un ennemi faible qui esquivera vos attaques, ou un ennemi fort qui ne reculera pas sous vos coups. Quoi qu'il en soit, des provisions, des délicieuses provisions. Toi, je vais également voler ton âme. Merci beaucoup. Non, reviens ici. Voilà. Et ici. Nous voici face à la faucheuse, le mini-boss du donjon. Et oui, c'est carrément la mort. Ah. Il va nous attaquer en nous envoyant une grosse boule d'énergie. Et... Ouh, aïe aïe aïe. Soit une grosse boule d'énergie, soit un projectile qui va se diviser en plein de petits projectiles. Le but, ça va être d'esquiver celui-là et de lui renvoyer l'autre visage avec l'épée. Parce que ça, ça va le transformer en petite chauve-souris. Et on va pouvoir le frapper. Parce que tant qu'il est dans cet état-là, on est insensible. Et que je me laisse frapper par une de ces grosses boules. Si nous, on se fait toucher par une grosse boule, on se transforme en bébé Link. Et à partir de ce moment-là, on sera totalement à la merci des attaques du gros de la mort. On peut également briser ces boules d'énergie plutôt que prévu. Waouh, genre je t'ai raté. Genre tu t'es cru dans la Matrix. On peut également briser ces attaques d'énergie plutôt en les attaquant avec une épée. Enfin, avec notre épée, et ça peut être très utile pour... Allez, fais-toi toucher, yes. Et boum, la faucheuse a été vaincue. Et il va laisser tomber une petite fée. Reviens ici, voilà. Ainsi qu'un téléporteur pour le premier étage. Bien, bien, bien. Ça nous évitera d'avoir à se retaper tout le chemin. Maintenant, toi, ici, où te caches-tu? Boum, voilà. On a encore plus de ces statues, peut-être que ça veut dire qu'on aura bientôt un moyen de s'en débarrasser. Pour l'instant, il y a plus de Wizrobes, toujours des Wizrobes et encore des Wizrobes. Et pas grand-chose de plus. Toi, je te vainquish. Toi, je te vainquish. Voilà. Et vainquish comme le mot anglais pour dire vaincre, pas comme le jeu vidéo sur Xbox 360. Bref. Bref. On va continuer sur ce chemin par ici. Non mais oh, toi là. Tu me respectes un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Boum. Pour l'instant, rien d'autre à faire que continuer le long de ce chemin. Rien à faire que continuer le long de ce chemin. Et on se trouve dans un endroit avec encore des clés à récupérer. Et encore plus de ces pièges ici. C'est faux ce que c'est fun à esquiver ce genre de truc. Mais... Non, je suis un peu sévère avec le jeu, parce que c'est...
C'est un peu normal que dans une tombe ancienne, il y ait plein de pièges comme dans un truc à la Indiana Jones, mais bon. Ici, au bout de ce chemin, on trouve une ardoise dans ce coffre. À quoi elle sert? Vous le verrez bien assez tôt. Pour l'instant, on est de retour ici. Et... Oui, on est bien de retour au bon endroit. Et cette ardoise, je dirais juste qu'il y en a plusieurs à récupérer dans ce donjon. Et que donc, il va probablement falloir les utiliser pour ouvrir un chemin. Moi, je ne dis si ça, je ne dis rien. Et en effet, ici, on peut placer l'ardoise, dans cet emplacement. Et on peut deviner qu'il nous en faudra 3 de plus. Bien. Pour l'instant, on va passer par ici. Et oh, de la glace. Ça a absolument aucun intérêt d'être là dans ce donjon. Mais ça y est quand même. C'est hyper magnifique. On ne peut pas accéder à cet endroit par... Oh, oui. Une salle en glace avec des ennemis difficiles à esquiver dessus. Magnifique. Magnifique, utile, agréable pomme. Toi, je t'ai activé et toi aussi. Maintenant, j'ai plus qu'à esquiver vos charges furieuses en cire. Voilà, si je peux atteindre cet endroit, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle à part des pots? Un escalier vert qui descend. Parfait. On va avoir un petit tunnel aquatique qui va nous mener dans ça. Ah, ce passage-là. Ok, d'accord. Et j'ai mis ça dans le mauvais slot. Hein. J'avais mentionné qu'il y avait certains passages en queue de sirène qui allaient être stressants. Pour être gentil. C'en est un. Et vous allez voir pourquoi je gueule beaucoup sur les contrôles de la sirène. Ouais. Vous pouvez voir rien qu'est-ce qui c'est en train de se dérouler là sur la droite, que cet endroit va pas être très cool du tout à traverser en sirène. Allez, non. Vous voyez, on glisse trop là-dedans, et ces espèces de trous nous attirent vers eux, alors qu'on a à peine une microseconde pour pouvoir se déplacer et les atteindre. Et c'est ça vraiment qui me fait ne pas aimer le costume de sirène. Je vais mettre du temps à passer ça. Et le pire, c'est que c'est pas la seule salle comme ça. Il y en a une juste... Mais quoi? J'étais pas dedans, là. Je vais mettre du temps à traverser ça. Et évidemment, dès que je décide de me taire pendant 2 secondes, c'est là que je réussis. Bon. Allez. Bon. Le plus dur est fait. Mais vous voulez savoir c'est quoi qui est drôle? Le plus drôle, c'est que on va devoir refaire le même chemin au retour. Ouais. Ou non, en fait, parce que ce chemin ici nous permet d'avoir un raccourci. Dieu merci. Je vous ai fait peur pendant une petite seconde, hein. Moi aussi, je me suis fait peur la première fois que j'ai vu ça et que j'ai cru que j'allais devoir me retaper le truc en sens inverse. Bref, en passant par ce petit passage ici, on peut récupérer une ardoise. Et étant donné qu'il n'y a aucune issue à cette salle, on va juste revenir en arrière. Voilà, voilà. Paix et concentration. Paix et concentration. Hop là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller poser cette ardoise avec les autres. Mais franchement, je pense que maintenant qu'on a récupéré la moitié des ardoises, ça fait une bonne durée pour un épisode. La prochaine fois, dans Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages, on ira récupérer les autres ardoises qui sont nécessaires pour ouvrir le chemin. Et normalement, on finira le donjon. En attendant, portez-vous bien.